Je m'appelle Nicolas Jandel, je suis directeur opérationnel de la société Pierre et Territoire. Alors Pierre et Territoire fait partie du groupe Procivis Alsace, qui est un opérateur global des métiers de l'immobilier en Alsace. Alors les projets sont de plus en plus complexes techniquement, ils font participer également de plus en plus d'interlocuteurs et il est nécessaire de pouvoir fluidifier les échanges entre chacun de ces interlocuteurs et de fiabiliser la conception de nos projets. Alors on peut véritablement parler d'un accompagnement, hein, beaucoup plus qu'une simple mission. Nous avons avec le pôle mis en place des jalons et un plan d'action de déploiement du BIM qui nous permet de rentrer progressivement dans la démarche et d'éviter de l'imposer du jour au lendemain à l'ensemble de nos équipes sur l'ensemble de nos projets. C'est vraiment cette notion de démarche progressive qui nous a attirés dans la proposition du pôle. Alors aujourd'hui, l'impact notamment des audits qui ont été faits, des ateliers de travail qui ont été mis en place, a été de revoir un certain nombre de nos procédures et de pouvoir petit à petit lancer nos premiers projets en BIM. Je commencerai peut-être par le côté pédagogue du pôle pour accompagner nos équipes, expliquer, démystifier le BIM. Je dirais également la disponibilité. Le pôle s'est rendu disponible pour réaliser de nombreux rendez-vous avec l'ensemble des équipes, réaliser des ateliers de travail. Et pour finir, je dirais l'exhaustivité dans la démarche. On a vraiment balayé très large l'ensemble des attentes potentielles que peut nous apporter le BIM. J'ai véritablement apprécié la connaissance des interlocuteurs des métiers de l'immobilier qui a permis d'être efficace et pertinent dans la rédaction des différentes pièces et dans la compréhension des enjeux de notre métier. Oui, je recommande effectivement l'accompagnement par le pôle dans la démarche BIM. Et pour preuve, nous allons très probablement prolonger la mission sur nos premiers programmes engagés dans la démarche BIM pour que le suivi soit assuré par le pôle et que l'on puisse vérifier la bonne prise en compte de nos attentes dans la conception de nos projets en BIM. Merci à vous et merci au pôle.